Précédemment, dans Hardline. Les avions volent, les drogues tombent. Qui a monté l'opération ? Un connard du nom de Rémy Nelt. Nelt, baissez votre arme ! J'ai accepté son offre. Vous, Stoddard, prenez tout. Il venait de se rendre ! Nick, laisse tomber. Avant qu'on coordonne la zone. Oui, votre honneur. Je m'inscris en faux contre votre évaluation basique des faits. Mais je comprends. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'était l'honorable Naomi Kushner. Que pense-t-on de la juge Kushner dans les parages ? Pourrie de gauche. Son Altesse ne me donnera pas de mandat de perquisition pour certains associés de Neltz. Ah, ce n'est pas grave. En temps de guerre, on se conforme aux règles ? Capitaine Dawes. Nous trois, on forme un conseil tribal. Et j'ai conscience que dans notre tribu, certains membres posent problème. Il n'a pas pris l'argent. C'était une épreuve. Il fallait que je sache si t'étais fiable. Depuis le tout début, ta partenaire me soutient, Koui. Bon. Si je comprends bien, Neltz a parlé d'un deal avec Stoddard. C'est ça, en effet. Alors retournez au bureau de Neltz et trouvez-moi du concret que je saisisse les affaires internes. Je sais qu'un ouragan approche, inspecteur. Mais le temps presse. Oui, chef. Bordel ! Les experts ont déjà enquêté, mais qu'est-ce qu'on fout là ? Ils venaient pas chercher des preuves contre Stoddard. Si on trouve quoi que ce soit, on en réfère direct à Dawes. Si on saisit la police des polices, Dawes réglera le problème. Tu lui fais confiance ? Ouais ? Si Stoddard tombe, ça ne profitera à personne. Stoddard est véreux, tu le sais aussi bien que moi. Je vais monter la garde. Et toi, vas-y. Trouve-nous des preuves pour le faire tomber. Volontiers. Je vais faire le tour du bâtiment, peut-être fouiller les poubelles. Bonne idée. Mais reste en contact. Tu crois que Stoddard a des potes dans le service ? Probablement. Les ripoux se serrent les coudes. Espérons qu'ils n'ont pas trouvé de preuves. Ça me surprendrait pas. Si Stoddard était stupide, il aurait déjà fini en tôle. Quelqu'un l'a déplacé il n'y a pas longtemps.
Ok. Je crois que je peux décrypter ce code. Ok, moi je suis en bas dans le conteneur de fret. Nels et Stoddard, les grandes confessions. Maintenant, on a du concret pour les affaires internes. Rémy stockait son cache quelque part. Je parie que Stoddard est aussi à sa recherche. Regarde là. C'est quoi ce truc? Je préfère pas savoir, c'est pas mon domaine. D'après Internet, le seul endroit à Miami à vendre ces trucs, c'est Domo Roboto, à Palm Court, le centre commercial. Il aurait pas caché son fric là. Non, c'est pourquoi j'ai chopé l'adresse de l'entrepôt. Ah, ça mérite une petite virée.